Nous recevons ce soir également deux invités, Clément Tchanté, directeur marketing et communication à Mag Plus, magazine d'information internationale, et docteur Clément Petsoko, psychologue politique, auteur d'un ouvrage, Réussir sa carrière politique. Et puis, à la fin de notre journal, vous suivrez un magazine consacré aux travaux qui se réalisent sur la voie express de Libreville. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition dominicale d'information de la soirée. Merci de votre aimable attention et merci de votre fidélité d'ores et déjà. Le ministre du Pétrole vient de séjourner à Port-Gentil. Dans la capitale économique du Gabon, Étienne Dieudonné Ngubu a présenté aux opérateurs du secteur pétrole et gaz la nouvelle vision pour l'industrie pétrolière au Gabon. Edgar Njembi Dukaga et Victor Mundunga. Le gros apport financier de la production pétrolière à l'économie nationale depuis toujours justifiait la mission à Port-Gentil du ministre Étienne Dieudonné Ngubu, et ce face-à-face avec la quasi-totalité des producteurs pétroliers et gaziers à qui il est venu exposer les ambitions de l'État. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a fait du secteur pétrolier un des axes majeurs de sa politique. En effet, celle-ci peut se décliner selon les points suivants: l'optimisation des recettes pétrolières, la promotion du tissu industriel dans le secteur des hydrocarbures, le renforcement des capacités nationales. Mesdames et Messieurs, dans le domaine de l'optimisation des recettes pétrolières, l'objectif du gouvernement est d'attirer davantage d'investisseurs dans le secteur des hydrocarbures. Depuis le pic pétrolier des années 90, l'exploration des hydrocarbures a peu progressé et la part relative du pétrole dans l'économie a diminué, affectant ainsi les ressources de l'État. Avec l'élaboration du nouveau code des hydrocarbures, nous sommes persuadés que nous saurons répondre aux attentes de l'industrie pétrolière et des investisseurs qui souhaitent nous accompagner dans l'exploration et le développement des ressources de notre pays. À ses interlocuteurs pétroliers et gaziers, le ministre Ngubu a clairement dit l'intention du gouvernement de faire remonter la courbe de productivité et de rentabilité des hydrocarbures et de susciter la présence des PME gabonaises dans les couloirs de la sous-traitance. L'encouragement de l'investissement dans le secteur du pétrole sera matérialisé par une véritable stratégie de marketing pour le pays. Celle-ci tendra à valoriser les différentes ressources en hydrocarbures, pétrole et gaz, dans l'optique d'un développement durable, avec un respect de l'environnement. Concernant le pétrole, il s'agit de mettre en avant le potentiel aujourd'hui peu exploré des blocs en eau profonde et très profonde du pays. Tous les objectifs de restructuration de l'industrie des hydrocarbures ont été remarquablement ramenés par le ministre Ngubu aux prometteuses missions de Gabon Oil Company, dont le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, avait décidé de la création lors du premier conseil des ministres délocalisé de la capitale économique. Outre la mobilisation des investisseurs et l'ouverture des nouveaux champs pétroliers, l'arrivée des petites et moyennes entreprises gabonaises dans le domaine de la sous-traitance apparaît comme un véritable défi que le gouvernement gabonais devrait relever. L'éclairage d'Edgar Njemi Dukaga et Victor Mundunga. Les orientations ont été données par le chef de l'État. Le ministre se charge désormais de fournir les détails sur leur mise en œuvre. Au nombre de celles-ci, la formation des cadres gabonais, la célérité dans l'octroi des contrats aux employés expatriés ou encore le transfert des technologies. Il a donc été décidé de la création d'une société nationale des hydrocarbures, la Gabon Oil Company, qui devra permettre de marquer la présence de nationaux dans le secteur des hydrocarbures et de développer également un tissu de PME performant et compétent. Nous souhaitons que les compagnies pétrolières ici présentes puissent réellement mettre en place une politique de transfert de compétences, de transfert de capacités aux PME locales, afin que nos compatriotes puissent très rapidement afficher un niveau de compétences adéquat pour pouvoir occuper convenablement les positions qui leur seront proposées. Des mesures claires, des impératifs surtout, rappelés dans un langage clair par le ministre Ngubu
est bien noté par chacun des opérateurs. Nous avons évoqué donc la situation actuelle de développement, de redéveloppement de nos champs au niveau de Total Gabon. Nous avons parlé du futur aussi pétrolier gabonais. Et dans cet ensemble technique, nous avons bien sûr besoin de la plus grande richesse, du plus grand gisement qui est important pour ce redéveloppement. C'est le gisement humain. Et à ce titre, donc, la formation et le recrutement de jeunes gabonais pour pouvoir continuer cette belle aventure pétrolière au sein de Total Gabon. Nous avons reçu de M. le ministre un certain nombre d'instructions que nous allons mettre en œuvre assez rapidement et revenir vers M. le ministre et ses collègues, membres du gouvernement, pour effectivement aller à la résolution de ces problèmes dans un délai le plus rapide possible. Le ministre Ngoubou a rappelé que l'État sera impitoyable face à toute violation de la nature autour des sites, certainement renseigné par la rigoureuse et récente mission d'inspection des sites menée conjointement par les directions générales des hydrocarbures et de l'environnement. Parlons alimentation à présent. Le centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville voudrait apporter sa contribution à la lutte contre la vie chère dans notre pays. Cette structure vient de mettre donc en place, vient de brader même 200 tonnes de poissons et cela dans une vente promotionnelle. Les précisions avec Rodolphe Moukambi-Boma et Joseph Biogué. Lancé pour la première fois la veille de la fête de l'indépendance, la vente promotionnelle des cartons de poissons se poursuit. Cette initiative rentre dans le cadre de la lutte contre la vie chère. L'objectif que nous visons, c'est de pouvoir atteindre vraiment le prix de vente du produit qui puisse satisfaire tous les ménages. Les prix pratiqués sont vraiment les prix qui défient toute concurrence. En effet, vous aurez des produits, des cartons de 24 kg à 12 000 francs. Je pense que c'est vraiment donné, c'est vraiment aider les Gabonais à lutter contre la vie chère. Plus de 200 tonnes de poissons de toutes les variétés ont été déchargées au centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville. Il y a à peu près 200 tonnes de poissons qui sont disponibles au niveau du centre de pêche. Vous retrouverez plusieurs espèces, les dorades, la dorade grise, vous retrouverez le maquereau, qu'ils appellent communément le tchétchéro. Donc je pense que c'est l'occasion de pouvoir inviter nos sœurs, nos compatriotes, les différents ménages qui sont friands donc des produits halieutiques, de passer sur le site. Pour cette deuxième phase, les ventes vont se dérouler au centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville, situé derrière le marché de Lumi. À Lambaréné, la culture maraîchère nourrit son homme. Plusieurs jeunes se sont regroupés en coopérative et vivent de l'activité agricole depuis 10 ans déjà. Le récit admiratif de Paulin Siaki. Les jeunes Gabonais ont compris la nécessité de se prendre désormais en charge. C'est l'exemple des jeunes de Lambaréné dans le moyen Ogoué qui viennent de mettre sur pied une plantation de culture maraîchère au village Ikembele à 21 km de Lambaréné. Une initiative qui permet à cette structure associative qui compte une dizaine de membres de sortir de la pauvreté et de subvenir à leurs besoins vitaux. Nous sommes au nombre de 10 et nous employons 20 jeunes qui sont rémunérés chaque fin de mois, notamment les non scolarisés. Et pendant les périodes de vacances, nous prenons les élèves afin qu'ils puissent assurer leur entrée scolaire. Manger frais, comme son nom l'indique, prône pour une alimentation saine. Je me lance dans ce métier, c'est parce que j'ai d'abord l'amour de la nature et vraiment, je vois comment certains pays se développent à travers l'agriculture et pourquoi pas alors le Gabon. C'est l'une des motivations, quoi. Et essayer de ramener les gens dans la sensibilisation de la consommation des produits bio. Bon, c'est qu'on va dire qu'il faut l'aider, sinon il est en train de faire le vrai travail. Tous ses frères, on doit l'aider les petits comme ça, tout va sortir. Parce que même ici à Lambali, l'oseille manque, le follow manque. Cette association emploie en son sein une vingtaine de Gabonais. Ce pour permettre de résoudre autant que faire se peut le problème de chômage dans la ville de Lambaréné. Merci Paula.
Alors, sur le plateau ce soir, nous recevons Clément Chonté, il est directeur marketing et communication de A+ Mag, c'est un magazine et mensuel People de haut de gamme et qui présente parfois, qui présente, qu'on concept, concept les réussites dans le cas de l'Afrique, notamment dans plusieurs domaines, le sport, la musique, l'économie, etc. Monsieur Chonté, bonsoir. Bonsoir Célestin. Alors, vous êtes là ce soir pour nous présenter un magazine qui d'ailleurs avait déjà fait l'objet d'un premier numéro et aujourd'hui vous revenez pour le deuxième. Alors, depuis la sortie du premier et du deuxième, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui s'est passé déjà entre temps? Merci de me recevoir sur ce beau plateau de Gabon Télévision, qui est une chaîne qui nous donne envie de communiquer devant notre produit. Alors, pour revenir à la question initiale, notre philosophie de départ, notre philosophie marketing terrain consistait déjà à installer le premier numéro qui a fait l'objet d'une communication ici il y a un mois et l'inscrire sur une durée de 2 mois, communiquer, vendre et faire connaître le produit. Alors à date, aujourd'hui, nous avons le deuxième numéro dont Aïssaï Maïga fait la une. Pourquoi Aïssaï Maïga? Vous avez bien dit dans votre liminaire que A+ Mag célèbre les réussites africaines. Aïssaï Maïga parce que c'est une Égérie panafricaine basée à Paris qui fait la fierté du continent. Elle a fait la marche au festival de Cannes. Alors quand j'ai feuilleté un tout petit peu au niveau du contenu, par exemple, on voit pas beaucoup de questions politiques. Pourquoi? On ne peut pas jurer dans notre chapelle qu'on ne fait pas de politique. La vocation première d'A+ Mag, c'est faire un parallélisme de forme. J'explique. S'il faut parler du politique, c'est, comment dirais-je, brosser un peu le côté politiquement correct. Voilà, donc voyez, je pose la question. Vous voyez pas la page 67, voilà, justement. C'est bien ça? Très bien la page 67. Voilà, j'ai vu une photo avec tous les chefs, beaucoup de chefs d'État africains. Oui. Une très belle photo. Alors, pourquoi une kyrielle de chefs d'État? Oui. La vocation aussi d'A+ Mag, c'est d'humaniser ces chefs d'État africains. Uh-huh. Parce que il faut aussi qu'on sache de l'autre côté que c'est des chefs d'État qui sont des esthètes, sont des épicuriens, qui prennent soin de leur look. Voilà. On voit le président Ali Bongo avec son traditionnel djellaba. On voit le président Jonathan. Jonathan qui est toujours avec son chapeau italien et sa chaînette pendue à son vêtement. Ils vendent aussi du beau. Alors, il y a un problème qui est aussi important dans le cadre de la gestion de ces organes, la question des annonceurs. Vous qui êtes, vous avez un magazine qui est édité en Europe, est-ce que vous n'êtes pas confronté un peu à cette question des annonceurs qui est cruciale pour la vie des magazines? C'est une question préjudicielle, Célestin. Écoutez, un magazine, quand il est encore dans l'œuf, les annonceurs ne sont pas réceptifs. Quand il est né, les annonceurs sont réceptifs. Notre défi est très simple. On s'est dit à Africa Endurance Group, qui est la société directrice de A+ Mag, c'est d'abord de mettre sur pied le premier, le deuxième bébé, prouver à ces annonceurs que quelque part, il y a un produit qui leur servira de vendre leur image et parfois de conséquences de vendre leurs produits. Alors, et je saute sur l'occasion pour demander quelles peuvent être alors vos perspectives, justement. Notre ambition est grande. Parce que le prochain numéro qui paraîtra, on fera une édition anglaise. C'est pas de l'ambition, ça? Ah, tout à fait. La présidente du groupe, Madame Salah Olympio, a estimé que quand on met sur pied un panafricain qui renvoie un prisme positif de ce continent, il faut couvrir tout le continent. Le continent est francophone, il est lusophone, il est arabe. Donc notre première démarche dans notre plan marketing, c'était d'abord un terrain que nous maîtrisons le mieux, c'est-à-dire l'Afrique francophone. Après, deuxième étape, l'Afrique anglophone, dont le défi sera factuel, concret. Le troisième numéro, on aura une édition bilingue et une édition française. Ok. Merci, M. Chonté. Je crois que nous disons déjà bon vent à notre magazine, puisqu'il est nôtre, étant donné que nous sommes de la communication. Et bonne chance donc à A+ Mag. Célestin, c'est moi qui vous remercie. Je remercie la direction générale d'être très réceptif à tous les produits qui peuvent vendre le continent. Voilà. Merci. Alors, nous poursuivons le...